Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est Madame Jocelyne Richard. C'est l'été depuis déjà quelques jours. La semaine passée, nous étions en présence de quelqu'un qui était présidente d'un club de loisirs. Cette semaine, on se déplace dans une association sportive pour personnes handicapées visuelles, qui est l'Association des sports pour aveugles de Montréal, la SAM. Et je suis avec nul autre que la présidente de cette association, qui est Madame Jocelyne Richard. Tout d'abord, bonjour Jocelyne. Bonjour, Martin. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, ça me fait plaisir que de te recevoir en entrevue aujourd'hui. Premièrement, ça fait combien d'années que tu es présidente de la SAM? Je pense que ça fait déjà 3 ans. Donc, tu dis « je pense », t'en es pas certaine. Est-ce que c'est parce que le temps passe trop vite ou... Le temps passe pas mal vite. Je pense que j'ai commencé en 2013. Je venais tout juste de prendre ma retraite en février 2013. Et c'est ça. Je pense que j'ai renouvelé... J'ai été lors de l'Assemblée générale spéciale. Et puis, après ça, 2014-2015, ouais, c'est ça. Alors, je renouvellerai un nouveau mandat. La GA va avoir lieu la semaine prochaine, soit le 27... Mardi le 27? Oui, mardi 27 juin. Donc, nous, on y va avant la GA, parce que, bon, pour des raisons de qu'on, ça va être l'été, on n'aura pas d'émission. Donc, les gens qui vont vouloir savoir si les résultats de la GA, ben, vous allez devoir vous en informer par le milieu des non-voyants, par le bulletin de la SAM, si vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre, ben, je vous invite à le devenir. Mais tout d'abord, Jocelyne, tu as dit un mot très important déjà, qui est le mot « retraite ». Oui. Hein? Donc, on sous-entend que tu as travaillé, on sous-entend aussi que tu as été jeune. Ben, je parle de l'enfance, là, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'âge en tant que tel. Mais est-ce que tu veux nous parler un peu de quand tu étais petite, ton handicap, ça a commencé comment? Comment toi, tu t'en es rendu compte? Est-ce que... D'abord, je suis née avec cet handicap-là. OK. La maladie que j'ai, ça s'appelle l'amaurose de Leber. Ben, c'est une sorte de problème avec la rétine, là, comme la rétine pigmentaire. Mais c'est ça. Et puis, j'étais jeune à l'Institut Nazareth comme tel. Là. Je pense que bien du monde connaissent. Sont allés là. Mm-hmm. Alors, j'étais pensionnaire 11 ans. Une chance, j'ai pas doublé. C'est pas pire. C'est déjà un bon record. Mais tu es née où, toi? Dans l'Outaouais. Je suis née à Gatineau. Oh, OK. Ça, que là, ça s'imposait là, de... Oui, j'étais pensionnaire. On sortait dans le temps. On allait chez nos parents aux 2 mois. On voyait pas beaucoup nos parents. Puis on était chez nous l'été. Fait que c'est une expatriée de ma ville. J'ai pas... c'est ça. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Est-ce que tu avais d'autres personnes dans ta famille qui avaient... Non. Donc, aux personnes d'autres? Non, je suis la seule. On est 3 enfants. Je suis la seule qui a un handicap visuel. Puis on n'a pas de proche dans la famille qui dirait que... je sais pas, le cousin antérieur ou qui dirait qu'il y avait quelqu'un qui avait le même handicap que moi. C'est comme si ça allait arriver comme ça. Ça leur tontit génétiquement. Sans explication, sans... Ouais, sans c'est ça, que sans, personne... sans détail majeur. OK. Ouais. Et là, est-ce que tu te souviens un peu quand tu es arrivé à Nazareth? Je m'en souviens très bien. OK. Ouais. Ben, quand tu es un enfant, tu sais... D'abord, je voyais quand même un peu quand j'étais enfant. Là, je voyais peut-être à 10 pieds de moi. Fait que j'étais pas complètement non-voyante. Alors, de côtoyer des enfants aveugles là, qui voyaient pas du tout ça, pour moi, à l'âge de 7 ans, c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Ça, je me souviens comme détail que ça m'a vraiment surprise de rencontrer des gens qui ne voient pas du tout. Ça, je me souviens de ça. Je me suis beaucoup ennuyée. Moi, la première année, c'était vraiment une grosse adaptation pour moi...
aller me séparer de mes parents, c'était quelque chose. C'était difficile, ça, cette époque-là. OK. Assez que je me souviens que les religieuses, à l'époque, ils ne voulaient pas que les parents viennent nous voir la semaine suivante, mais la deuxième semaine, ils avaient le droit de venir nous voir. Pour vous laisser le temps un peu de vous accoutumer. Ouais. OK. Et puis, apparemment, j'ai fait une belle crise. Hein. Maman, elle disait toujours, « Je plains la sœur qui t'a porté dans ses bras pour t'amener... » Ouais, ça a l'air qu'elle a eu une coupe de marque sur ses jambes avec mes pieds. J'étais mauvaise, puis je le suis encore. Oui. Alors, ouais, c'est ça, je me souviens de ça. Je me souviens aussi que j'avais rencontré des enfants qui venaient de d'autres coins de pays, tu sais, comme le Québec, les îles de la Madeleine. Ah, partout en région. Partout en région. Mm-hmm. Puis l'image que je garde de ça, c'est qu'il y en avait là-dedans qui ne savaient pas s'habiller. Okay. Puis qui était vraiment dépendant. Et ça m'a beaucoup marqué. Comme un manque d'autonomie. Oui, puis ça m'avait vraiment effrayé de voir ça, qu'il y avait du monde qui... je me souviens d'un enfant, je ne nommerai pas son nom, là, parce que ce n'est pas utile, mais avait jamais monté des escaliers de sa vie. Oh là là! Oui, okay. J'ai vu ça, moi, à l'école. Puis ça m'a bien gros impressionné. Ça doit être ça qui m'a amené, moi... plus tard, tu sais, à étudier en service social. Mais tu dis, ça t'a impressionné, mais est-ce qu'à quelque part aussi, est-ce que ça... Je sais que ça peut paraître plate, de la façon que je vais le dire, mais est-ce que ça nous console un peu de dire qu'il y en a des pires que nous ou que... Bien, quand tu es un enfant, je ne sais pas si on pense à ça, je pense pas. Peut-être plus tard que tu peux penser à ça, mais quand tu es un enfant, je pense pas que j'ai pas pensé, que j'ai pas... que j'ai, je ne suis pas sûre d'avoir réfléchi ça comme ça. OK. Mais je penserais qu'aujourd'hui, je dirais ça, oui. Mais un enfant, comme je te dis, c'est l'observation, je pense, que je retiens beaucoup. Mm-hmm. De remarquer qu'il n'y en avait que. Parce okay. que chaque enfant, on a... tu sais, moi, j'avais de la peine parce que j'étais loin de mes parents. Quand je m'en allais dans ma famille, je n'avais pas d'amis. Mes frères et sœurs en avaient. Moi, je n'en ai pas parce que je suis à part. Fait que, tu sais... C'est plus, là, quand tu es un enfant, c'est l'observation que tu retiens beaucoup en mémoire. C'est ça, puis on s'en rappelle encore aujourd'hui. Bien sûr, parce que c'est encore différent d'eux. Regarde, je suis revenue à Montréal, je ne suis pas retournée rester dans le patelin là-bas, je ne verrais pas pourquoi j'irais là, je m'ennuierais à mourir. J'ai pas de racines, je suis déracinée. C'est ça. Oui. C'est que là, oui, puis là, tu as resté 11 ans quand même, c'est qu'en 11 ans... Pensionnaire, après ça, je suis retournée dans la Gatineau à Hull pour étudier, faire mon secondaire 5. Là, tu arrives dans un milieu régulier, puis... En secondaire 5, pour la, comme la dernière année du ouais, secondaire. Dans le temps, oui. C'était okay. comme ça. OK. Puis après ça, j'ai fait mon cégep. Mais quand tu arrives dans ces milieux-là, je suis toujours la deuxième. Il y a une autre personne handicapée visuelle que tu connais qui a passé avant moi, qui est demeurée à Hull. Alors, lui, était toujours le premier qui passait dans mes traces. Il faisait les traces, puis moi, je suivais ses traces. Oui. Alors, quand je suis arrivée au cégep, ben c'est ça. C'est comme un autre 2 ans d'apprentissage dans le monde ordinaire parce que tu es déconnecté. Toi, tu es habitué avec les sœurs où ce que c'est très organisé, très régimenté. Alors, tu arrives dans un milieu où tu dois apprendre à t'organiser. Puis dans le temps, il n'y avait pas la magnétothèque. Là. Dans le temps, il n'y avait pas de l'aide au lecteur, le service aux personnes handicapées. On se débrouillait soi-même. Là. C'est nous autres qui trouvions nos propres lecteurs puis nos propres façons de faire pour... poursuivre nos études. Moi, je me souviens qu'au secondaire 5, à Noël, là, j'étais tellement énervée puis j'étais tellement épuisée de l'adaptation que, mettons, j'avais tombé malade. Tu sais, puis j'avais jamais été malade de ma vie. Tout le stress. Le stress de cet apprentissage-là. Puis de retourner vivre dans ta famille aussi. Tu sais, retourner vivre dans ta famille que tu n'as jamais vécu 12 mois dans une année avec eux. Autant ça a été difficile de se séparer, autant ça demande une autre adaptation de revenir. Oui, okay. C'est ça. OK. Puis de trouver des amis, tu sais, de trouver du monde qui vont te lire tes livres, je vais te dire, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Puis, mais je ne le regrette pas aujourd'hui, par c'est exemple. C'est ça, le souvenir que tu en gardes, quand même, ça t'a permis de devenir... plus fonceuse, plus... Ben moi, je pense que quand tu vois pas, puis que tu veux réaliser, en tout cas, tu veux réaliser des études puis devenir sur le marché du travail,
faut que tu travailles fort en vlimeux. Je ne suis pas sûre si aujourd'hui tu me dirais, est-ce que tu recommencerais? Je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, je vais te dire oui pareil, parce que je veux dire, le résultat fait en sorte que, fort heureusement pour moi, j'ai gagné ma vie, puis tu sais, je suis favorisée, on va dire, au niveau du salaire, que ce que je gagne aujourd'hui. Mais c'est très, très exigeant. Faut que tu sois frondeur, faut que tu sois déterminé, puis faut que tu veuilles étudier aussi, il faut avoir le goût des études, mais faut pas que tu lâches, parce que chaque jour, c'est une lutte quand même. T'sais. Mais j'ai toujours, aussi drôle ça puisse paraître, que ce soit au cégep ou à l'université ou au secondaire 5, comme par bonheur pour moi, il y a toujours eu des étudiants qui ont voulu étudier avec moi, puis qui ont voulu lire avec moi, parce qu'ils disaient, dans le fond, que je leur rendais service parce que je les obligeais à ne pas attendre la dernière minute. C'est bon, ça! Oui, bien, c'est ça, c'est un avantage d'avoir eu cette chance-là de solliciter du monde. Puis... Mais il faut que tu aies... Il faut que tu sois sociable. Si tu es quelqu'un de trop introverti, je pense que tu vas avoir de la misère à te réaliser. Parce que les gens n'iront pas nécessairement spontanément vers toi et te demander si tu as besoin d'aide. C'est ça. Si tu manifestes aucune... C'est ça. Et il faut que les gens sentent que tu as une ouverture à socialiser avec eux autres. OK. Il faut que ce soit toi qui fasses les premiers pas. Eux sont capables de faire le deuxième, mais ils ne feront pas le premier. Puis là, toi, tu disais, bon, avoir envie d'étudier, tout ça, bon, ça, tu l'avais, mais de savoir en quoi étudier, est-ce que ça a été long avant que tu le saches? Bien, pas nécessairement, parce que comme je t'ai expliqué tantôt, en disant que quand j'étais pensionnaire, j'ai vu beaucoup de... J'ai constaté assez jeune, comme quoi qu'il y avait de la détresse chez des enfants, qu'il y en avait qui étaient moins autonomes, bon... Ça m'a vraiment marqué. Alors, tu sais, le goût de m'en aller en service social, je pense que c'est ça qui m'a incité à y aller. OK. C'est que ça s'est concrétisé. Ouais. Moi, je pense que le fait d'observer... Puis je me souviens, il y avait des enfants qui n'allaient même pas dans leur famille à Noël. Ceux qui restent aux Îles-de-la-Madeleine, là, dans le temps, là. Ils n'allaient même pas à Noël. Ouais. Fait que, tu sais, ça, moi, là... C'était quelque chose, tu n'allais pas chez vous, tu restais avec les sœurs au couvent à Noël. Pense-y deux minutes. Donc, tu sais, moi, ça m'a comme vraiment frappé. Puis je me souviens, cette année-là, où pendant deux, trois ans, maman, je devais compter ça chez nous. Puis maman, elle disait, ben donne-moi leur nom, je vais leur envoyer un cadeau. Oh, OK. Fait qu'elle faisait ça, elle leur envoyait un cadeau. Puis dans ce temps-là, c'était beaucoup la poste. Alors, elle leur envoyait un cadeau personnellement. Elle leur envoyait, mettons, je ne sais pas, elle me disait, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur manque, elle me disait ça. Mm-hmm. Je disais, bien, mettons, elle n'a pas beaucoup de pyjamas. Fait qu'elle envoyait des pyjamas, puis elle leur envoyait, mettons, c'est sûr, du chocolat, puis des trucs comme ça. Mais elle a fait ça, maman, pendant au moins deux, trois ans, envoyer des cadeaux à des filles au couvent. Puis elle s'organisait pour que le cadeau arrive, mettons, dans la période des fêtes. OK. C'est une belle attention, quand même. Oui, pour l'époque, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ça m'a frappé beaucoup. Fait que c'est ça qui m'a amené, je pense, en service social, entre autres. Et là, quand tu as fait le cégep, c'est du... Oui, le cégep à Howell. Tu as fait en travail social? Non, non? Tu t'en vas en ressources humaines, parce que c'est pas une technique que j'ai fait, okay. Vu que j'ai fait un bac universitaire, le bac, je me suis revenu à Montréal. OK. Oui, je l'ai fait à l'UQAM. Et là, ça a-tu été bien, ça? Ben, l'UQAM, c'est différent. Montréal, c'est pas pareil comme l'Outaouais, tu sais. Ouais, ça, je peux te dire ça. Mais encore là, malgré tout, l'UQAM, à cette époque-là, il y avait des travailleurs qui retournaient aux études, ceux qui avaient fait leur technique en service social, puis qui avaient compris que c'était plus payant faire ton bac, puis d'être mieux rémunéré. Alors, tu avais du monde au retour aux études. Donc là aussi, encore là, malgré tout, puis, il n'y avait pas... Je pense que la magnétothèque commençait, mais tu n'avais pas le temps d'attendre la magnétothèque pour te faire lire tes livres que tu avais besoin. Alors, encore là, j'ai quand même... C'était vraiment différent, parce que c'était un milieu plus hétérogène au niveau de l'âge. Mais j'ai tôt trouvé du monde pour étudier. C'est faux, mais j'ai tôt... Un jour, j'ai fait Technovision. La SAM, elle avait un kiosque à Technovision, dans le cadre de Technovision. Puis je me souviens d'avoir rencontré des gens de ma génération, tu sais. J'étais quasiment gênée de leur dire que, oui, j'avais réussi à passer au travers, parce que ces personnes-là me disaient, moi, j'ai tenté d'étudier, puis ça n'a pas fonctionné, tu sais.
Fait que je me disais, ben ouais, mais c'est ça. Tu sais, dépendamment du contexte où tu te retrouves puis de ta personnalité, je pense que c'est ça qui fait, entre autres, un 50 % de gagné. Mais est-ce que tu as réussi à faire comme tes études dans un temps relativement court ou en prenant un peu plus de temps? Ben non, dans ce temps-là, écoute, j'étais bien trop ambitieuse, voyons donc. Écoute, j'ai fait mon cégep comme tout le monde en 2 ans, puis j'ai fait mon université en 3 ans. Wow! J'ai pas traîné. OK. Mais t'étudies aussi. Oui. Puis tu passes ton temps à y penser, tu sais, puis t'attends pas dernière minute comme beaucoup font, là, pour commencer tes travaux, là. Sinon, ça aurait été impossible. Non, c'est sûr. Est-ce que tu considères, malgré tout, qu'il fallait mettre les bouchées doubles, les bouchées triples? Est-ce que... Faut-tu mettre les bouchées doubles? Au moins, hein? Oui. Non, t'as pas le choix. Ben, pense-y, on n'avait pas les services aux étudiants qu'ils ont aujourd'hui, là. Hey, aujourd'hui, ils ont des preneurs de notes. Ben, je prenais mes notes moi-même dans le temps. Tu prenais tes notes, quoi, au poinçon? Oui, ou j'enregistrais. Si le prof était d'accord, OK, je pouvais enregistrer. Mais ça nécessitait de réécouter les cours. Puis... Oui, bien, ça, c'est sûr. Il ne faut pas juste qu'ils disent « Regardez-le au tableau, par exemple. Uh-huh. » Ça ne fonctionne pas bien, là. C'est ça. Mais j'avais comme je te dis, j'avais des étudiants que je pouvais les consulter. J'avais une bonne collaboration. C'est ça. Je ne sais pas aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est comme ça, par exemple. T'sais, je ne sais pas. Moi, j'entends parler d'étudiants actuellement, qu'il y en a qui me disent qu'ils n'arrachent à l'université ou au cégep parce qu'ils se sentent tout seuls. Moi, je n'ai pas vécu ça, la solitude au cégep et à l'université. J'ai tout eu du monde. Mais y a-tu eu des moments, y a-tu eu des choses plus difficiles? Y a-tu eu des choses plus moins facilement accessibles? Est-ce que aussi tu gardes le souvenir qu'en travaillant très fort, puis en étant quand même organisé, puis en n'attendant pas à la dernière minute que tout était réalisable? Est-ce que... Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a des cours qui peuvent être plus difficiles pour nous autres, là. Mais je ne me souviens pas lesquels. C'est ça t'a pas resté. C'est ça. Sauf que quand tu peux participer à un travail d'équipe, c'est sûr qu'il y a des affaires, comme je pense, à la méthodologie. Eh oui. OK. Bien, c'est sûr que pour nous autres... mettons qu'on pourrait passer à côté, tu sais. Mais le fait que c'est un travail d'équipe, là, tu peux trouver une tâche dans le travail d'équipe qu'au moins tu te sens utile dans un groupe. C'est ça. Laisser la méthodologie au voyant. Oui, c'est ça, tu sais. OK. Fait que, mais tu sais, moi, je pense que ça dépend des années ou quand... probablement, peut-être, j'ai tombé dans des bonnes années où il y avait des bons étudiants, mais il reste que quand même, on ne dira pas que c'est les étudiants qui sont bons. C'est toi qui réussis à t'intégrer à travers tout ça. C'est ça, il faut quand même que tu fasses ta réussite. Ah, t'as pas le choix, là, parce que tu peux pas passer au travers autrement, là. T'sais. Et là, quand tu as fini à l'université, si je vais trop vite, là, c'est bon. Quand tu as fini à l'université, ça s'est passé comment pour toi, la recherche d'emploi? Je vais être honnête. Toutes les étudiants de ma classe, ils ont tous rentré à l'époque ce qu'on appelait le Centre des services sociaux du Montréal métropolitain, CSSMM. OK. C'est certain que je n'ai pas rentré. OK. OK. Je te dirais que j'ai perdu 3 ans parce que je n'ai pas rentré. OK. Ce qui m'a rendu service, je travaillais ce que tu appelles à l'époque les... Comment ça s'appelait donc? Je ne me souviens plus du titre. Mais c'était des projets fédéraux en méthodologie en recherche d'emploi. J'ai travaillé pour eux autres 3 ans. Puis, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on aidait des personnes avec des handicaps différents, pas juste handicap visuel. OK, tout handicap confondu. OK. On les accompagnait dans la recherche d'emploi. Puis moi, on m'avait engagée comme travailleuse sociale à cette époque-là. OK. Et on a travaillé avec, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, une association Villeray, quelque chose de genre, ici à Montréal, là, toujours. Puis, il y avait une travailleuse sociale qui travaillait au CSSMM, puis était dans ce projet-là. Alors, un jour, elle s'en vient me voir, puis elle me dit, « Écoute, Jocelyne, je m'en vais travailler au Congo, parce que mon conjoint est congolais. » Puis elle dit, « Mon patron, dans le cadre de l'année internationale des personnes handicapées, en 1980, que je te parle, mm-hmm. Je pense que c'est 81, mais on était en 80. Non, ça devait être en 80, parce que j'ai été embauchée en 80. » Elle dit, écoute, mon employeur de la succursale aimerait beaucoup engager une personne avec un handicap
un handicap quelconque dans le cadre de cette année internationale-là. Tu connais-tu quelqu'un qui a un bac universitaire en service social parce qu'elle était bachelière, puis elle avait un poste de travailleur social? Alors, j'y réponds textuellement, ben moi, ça fait-tu? Hein? Elle dit, cherches-tu un emploi? J'ai dit, ben non, je m'en cherche pas, je suis bien ici. Mais ici, c'est toujours bien des postes, c'est pas des postes permanents, là, tu sais. Tandis que là, où est-ce que je m'en irais, ça serait un poste permanent. Hein? Elle dit, tu accepterais ça? Ben, je dis, ben oui. Elle sort tout au bureau, puis elle a dit ça à son patron. Son patron, tout heureux, il dit qu'elle m'envoie son curriculum vitae, puis qu'elle l'envoie au bureau chef du CSSMM. Alors, j'ai fait ça. Et puis, deux mois plus tard, ça c'était en décembre, deux mois plus tard, j'avais une entrevue avec le responsable du bureau en question, et puis ils m'ont engagé. Fait que, tu sais, comme je te dis, mes collègues, toutes mes amies de classe, eux autres, ils ont toutes rentré là par la porte, la grande porte en avant, en 3 ans avant, mais moi j'ai rentré 3 ans plus tard, mais dans un cadre bien précis. Et ça, ça a duré plusieurs années? Ah ben oui, j'ai travaillé 13 ans pour eux autres. OK. Et puis quand ils ont fermé le centre des services sociaux, parce que dans le cadre des fusions, on s'en allait tous dans les CLSC, là je me suis en allée dans un CLSC qui était le CLSC Montréal-Nord. J'ai fini ma carrière là. OK. Et est-ce que c'était quoi tes tâches? Est-ce que c'était les mêmes tâches aux deux endroits ou si c'était différent? Ça a été différent parce qu'au début, ils m'avaient engagée comme à mi-temps clinicienne et puis à mi-temps communautaire. Parce que notre patron, il était pas mal... c'était une personne qui aimait beaucoup le communautaire. Il faut dire que le communautaire, à l'époque, était d'avant-garde. Là, il avait la cote. Oui. Puis tu sais, tout l'éclatement à cette époque-là, qu'on forme des groupes puis tout ça, là, je te dis que ça marchait fort là, à cette époque-là. Donc, j'étais à mi-temps communautaire puis à mi-temps travailleur social clinicienne. Mais quand on s'est en allé dans les CLSC, ben là, regarde, on est revenu au bien basic, c'est-à-dire travailleur social, point final à la ligne. J'étais pas organisatrice communautaire. Alors, c'était bien différent au maintien à domicile, là. Maintien à domicile, c'est 0 à 100 ans, toute personne en perte d'autonomie qui a besoin de services. Et là, il fallait que tu te déplaces chez les gens? Ah, ben oui. Oh oui, faut que les gens ne viennent pas à toi, c'est toi qui vas aux gens. Bien, au CSS aussi, que je devais me déplacer parce que les gens, dans les années 80, il n'y avait pas de transport adapté. Oui, là, c'est que ça devait être quand même un peu compliqué. Bien, oui, puis non. Je me suis déplacée. Je me suis rendue chez le monde. Oui. Est-ce que tu avais comme des mesures particulières à cause de ton handicap ou pas vraiment? Non, pas en tout. Non? Non. Mais tu apprends vite, par exemple, à t'en faire des règles du jeu parce qu'il y avait des milieux que c'était pas sécuritaire. Tu sais, des gens comme tu t'en vas visiter quelqu'un puis t'es dans la drogue, là, c'est pas évident. Oui, tu as été confronté à des situations comme ça. Bien sûr. OK. Ou encore des personnes ACV qui sont agressifs là, à cause de leur ACV, dépendamment de quel côté sont affectés. Là, il y en a qui deviennent très agressifs puis qui sont en perte de contrôle. Là. Donc, j'ai appris pas mal vite dans ce sens-là. Au début, j'avais pas des dossiers hot, comme on dit, mais avec le temps, ça fait tant d'années que tu es là, les dossiers hot t'arrivent assez vite, Dieu merci. Là. Puis des fois, tu les choisis pas puis tu sais pas d'avance quel genre de monde tu vas arriver, là. Mais le CSS, ou ben, le CLSC aussi, c'était la même chose. Eux autres, ils payaient mon transport parce que habituellement les gens ont leur voiture. Donc, moi, j'ai pas de voiture, donc ils payaient mes transports. Fait que c'était le taxi. Puis le taxi, le chauffeur de taxi m'amenait directement à l'endroit où je devais aller. Fait que c'était pas... OK, t'avais pas à chercher là, des non, adresses non. puis chercher non, les non, rues. Non. Mais est-ce que tu as eu des peurs, des fois, en arrivant chez des gens comme ça que tu connaissais pas ou qui ont eu des réactions Oui, j'en ai eu quelques-uns. Oui? Bien, comme le milieu de la drogue, je vais te dire que ça, c'est rough en vlimeux. En plus, elle, la personne, était en perte d'autonomie. Elle avait une poliomyélite. Ça veut dire que, oui. Puis en plus, elle, pourquoi je l'avais, c'est qu'elle avait eu une trachéotomie à cause du cancer de la gorge. Oh! Alors, je vais te dire juste de trouver la façon, comment on communique ensemble pour que je la comprenne, parce qu'elle ne parlait pas comme nous autres normalement. Hein? Alors, ouais. Ça faisait plusieurs défis, là. Oui, ça, écoute, oui. Je m'étais fait un alphabet braille, OK,
Puis j'avais fait écrire en braille, en noir et blanc, là. Mm-hmm. J'avais écrit les lettres, là, tu sais, le A, c'est un A, tu sais. Parce qu'il y avait des sons que je ne comprenais pas. Donc, elle, quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, je lui disais, pointe-moi du doigt les lettres. OK. Ouais, oui, celle-là, je me... C'était comme un peu d'épeler le mot ben, en pas... montrant les lettres. Ouais, c'est ça. Fait que était capable de le faire, là, tu sais, mais... Puis... Quand tu vas dans un quartier de la drogue, de même, il y a des journées dans le mois que tu ne vas pas là. Fait que ça, j'avais appris ça avec l'équipe quartier. J'avais eu du soutien quand même avec cette équipe-là. Les premières fois, j'allais chez elle, eux m'accompagnaient parce que, écoute, aller dans un milieu comme ça, même pour quelqu'un qui voit, ils n'aiment pas ça, eux autres, même y aller, tu sais. Puis le quartier général de la drogue était dans le logement à côté d'elle. Fait que j'avais... Oh. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'avais intérêt à me calmer les nerfs ou à ne pas pogner les nerfs. Parce que dans ce monde-là, ils ne sont pas tellement habitués de respecter les règles. Ils sont délinquants, c'est l'inverse. Puis il y a des journées, c'est très dangereux d'aller là. Le premier du mois, tu ne vas pas là, là, parce que c'est... Il y a trop d'action. Ouais. Ils ont plus d'argent que le reste du mois, là. Fait que, écoute, tu ne vas pas là. Puis en contrepartie, est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui étaient surpris de voir une dame non-voyante arriver chez eux? Plusieurs. Mais quand j'appelais chez les gens pour prendre un rendez-vous, je leur disais « Bonjour, je suis Jocelyne Richard du CLSC Montréal-Nord. J'ai eu votre dossier. Alors, je peux-tu savoir un peu de quoi il est question? » Bien, j'avais déjà lu le dossier avec quelqu'un, fait que ça, c'est correct. Mais je leur disais pas nécessairement que j'étais une personne non-voyante. Moi, je me disais, quelqu'un qui appelle chez vous, il ne dira pas « j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux noirs, et puis je suis grosse, je suis petite. » Moi, fait que je me dis, ben, j'ai pas d'affaire à en dire plus. Là, je prenais les dispositions, puis pour aller les rencontrer, convenir de l'heure, tout ça, j'arrivais chez eux. Et puis là, avec ma canne blanche, parce que j'ai pas de chain guide, j'ai une canne blanche, donc j'arrivais chez eux, puis là, des fois, ils disaient « Ah, vous êtes une non-voyante? » Je disais « Oui. Ah bon. » Il y en a qui ne disaient pas un mot, puis on continuait comme si rien n'était, puis il y en a qui posaient des questions. Moi, ce que je trouve important, au départ, c'est de au moins répondre à leurs questions. « Ah, vous êtes aveugle? Vous êtes travailleuse sociale? Comment vous allez faire pour comprendre mes problèmes? » Fait que tu réponds à cette question-là. Parce qu'eux autres, ils pensent qu'il faut voir pour voir que tu as de la souffrance. Donc, à partir du moment où tu as répondu, dans le fond, en leur expliquant que tu n'as pas besoin de voir pour comprendre, j'imagine que ça les sécurise. Oui, dès que tu as répondu à cette question-là, puis si tu as répondu clairement, tu n'as plus de problème après. Les gens ne posent pas de questions. OK. Ce qui est important aussi, c'est l'orientation, parce que tu arrives dans des nouveaux milieux. Évidemment... quand tu vas rencontrer des personnes âgées sur le boulevard Gouin, là, les logements, là, tu finis par les connaître parce qu'elles sont toutes faites de la même manière. Mm-hmm. Mais il faut que tu connaisses chaque institution, comment elles sont faites, chaque immeuble. T'sais, un coup que tu l'as fait une première fois, les immeubles, tu les connais. Là, ben, ça prend une bonne orientation comme personne. Il faut que tes oreilles soient utiles et il faut que tu aies une bonne mémoire. Pis, Mais les gens, habituellement, sont collaborants. T'sais. Moi, j'ai pas... Je pense que si j'ai eu deux refus dans 35 ans, c'est beau. J'ai peut-être eu deux, trois, tu sais. OK, mais tu les comptes pas plus que ça, là. Non. OK. Une mère, une fois, là, parce que son fils, il avait la sclérose en plaques, puis mettons que t'as pas trop de chaude à l'idée de faire un placement à l'âge de 22 ans, mais elle, elle voulait vraiment le placer, son fils, là. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle lui dit, ben, t'es aveugle, elle ouait pas, puis change de travailleuse sociale. Ça, je me souviens d'elle, de cette madame-là. Mais tu sais, c'est selon nos valeurs, tu comprends-tu? Elle, mm-hmm. elle était fatiguée, elle voulait plus garder son fils, puis pour elle, son fils était plus heureux en institution à l'âge de 22 ans, alors que moi, j'en avais peut-être 32, tu sais, puis que pour moi, je considérais qu'être placée à 22 ans... ça aurait pu être... Ouais, ça aurait pu attendre, mais aujourd'hui, je comprendrais, j'étais peut-être ben trop jeune de comprendre ça, là, remarque, tu sais, ouais. Mais il reste que... C'est ça. Fait que c'est arrivé comme deux situations comme ça, des jeunes que je... Ça me mettait vraiment mal à l'aise d'accepter un hébergement permanent. Là. Écoute, à 22 ans, aller te faire placer dans un lit en institution, là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mettons que je suis bien vieille, plus vieille aujourd'hui, je vais te dire, je ne trouve pas encore que ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je vais comprendre avec d'autres types de lunettes. T'sais, je vais te dire, ben, peut-être que c'est parce que c'est la madame qui était épuisée puis n'était plus capable de le garder. Qu'elle ne voyait pas d'autres solutions. C'est ça. Puis que, bon. Ouais, c'est okay. Ça. Ouais.
Ça que ton travail, tu en gardes vraiment du. C'est très positif. C'est très. Oui, oui. Toi, mais... si tu mets en compte là, le fait que t'as de la gueule, t'étais quand même quelqu'un qui demandait si tu avais besoin, qui était capable de t'orienter, de te familiariser rapidement. Tout ça mis ensemble, ça a été. Tout le monde y a mis un peu du sien, toi la première, puis ça a été positif. Oui, mais je vais te dire, moi, quand quelqu'un me pose la question « Combien d'années tu as travaillé? » Je vais te dire 35 ans comme tout le monde. Mais dans le fond, c'est 70 ans. J'ai travaillé 70 ans. Oui, mais tu n'as pas 70 ans. Non, mais c'est ça. Mais j'ai travaillé 70 ans parce que c'est un défi chaque jour. Oui. Puis honnêtement, encore là, au travail, c'était comme au cégep à l'université. Et tu as eu une bonne collaboration de mes collègues de travail. OK? Quand j'avais besoin d'un renseignement... Je savais que je pouvais aller voir un tel, puis que s'il était au téléphone, je continuais, j'allais au suivant. Tu sais, puis mes collègues de travail, ils me l'ont vraiment souligné parce que je pense qu'à ma retraite, j'ai été fêtée au moins 5 fois. Fait que je dois, ouais, j'ai eu bien des fêtes, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de récompenses de tout ça, tu sais. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit, t'étais une leçon de vie pour nous autres, tu nous as aidés dans notre travail, bon. Parce que, tu sais... Tu reçois des autres, mais il faut que tu donnes toi aussi, là. Il ne faut pas juste que tu reçoives qu'est-ce que le monde te donne. Il faut que toi aussi, tu sois capable de donner de ton expérience. Il faut que tu sois capable de... Mais ça, on le fait en répondant aux questions quand il nous en est posé. On le fait de différentes façons. Oui. C'est pas si concret que ça, j'imagine, de dire qu'on donne. C'est parce qu'on est réceptif à... Non, mais ce que je veux dire, tu sais, mettons, si tes collègues te travaillent, ils te servent de leurs yeux pour te lire un texte, ben, si, mettons, ils te lisent un dossier, ben, en retour, toi aussi, des fois, quand tes collègues de travail se présentent à ton bureau et te disent, as-tu déjà travaillé en violence conjugale, mettons? Partager nos connaissances, tu sais, faut pas juste se soigner dans un sens. Faut que tu sois capable, eux autres te rendent service par leurs yeux, mais toi, faut que tu serves. Faut que tu donnes de ton expérience aussi. Tu sais, comme moi, j'ai déjà fait des supervisions de stage d'étudiants, là, des futurs étudiants. Fait qu'il faut que tu rendes service, toi aussi, pas juste à... faut que tu rendes service à ta communauté, à ton institution, tu comprends? Mm-hmm. Fait que faut que tu sois ouvert, puis faut pas que tu passes ton temps à dire « Ouais, mais je suis une personne aveugle, moi, là, faut que vous fassiez toujours de quoi de spécial pour moi. » Ton employeur veut pas savoir ça. Lui, veut savoir qu'il te donne 40 dossiers et puis que tu es capable de les traiter. Prends les moyens que tu veux, ou je veux pas le savoir. Mais traite-les. Okay. Alors, l'employeur est comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai travaillé 70 ans et non 35 ans. Okay. Parce que dans le fond, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'était clairement dit à ma retraite. On lui donnait n'importe quel dossier, puis elle prenait. Ah, c'est mon employeur qui a dit ça. Bien, je vais t'en compter une drôle. Oui. Une drôle. Okay. Quand on a 25 ans de service, il nous donne un cadeau. Il nous donne une montre. OK? Oui. Tu sais que c'est que je vais compter. Ouais. T'as une idée. Alors, j'ai dit à mes collègues de travail, j'ai dit, hey, écoute, je suis certaine que mon employeur, il va faire comme vous autres, il va me donner une montre chez Burks. Hey, comme de fait, c'est arrivé comme ça. Écoute, on s'est présenté au beau banquet offert par l'institution, puis un gros lunch, puis écoute, ils se tapent les bretelles pour nous remettre notre montre, tu sais. Fait que j'ai dit à mes collègues de travail, j'ai dit à mes collègues qui étaient là, j'ai dit, hey, écoutez, j'aurai jamais de montre en braille, je suis sûre d'avoir une montre ordinaire. Il y en a une qui se lève, elle s'en va voir, je sais pas quelle directrice, là, qui était dans le comité de quelque chose, elle s'en va lui dire ça. Hey, écoute, ils sont toutes offensées d'un coup à la dernière minute, assis à la table en train de donner un cadeau. Ils réalisent que la prochaine personne qui va recevoir une montre, c'est une madame qui est aveugle. Fait que j'étais un numéro parmi tant d'autres dans le building, au service d'appel. Fait que j'ai eu ma montre. Fait que là, ils s'en viennent. On s'excuse, Madame Richard, on n'a jamais pensé. Ça existe-tu, une montre en braille? Ben oui, ça existe. Mais là, ils ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je dis pas grave, moi, je vais à comité. Ben, je suis chez ma montre. Puis demain matin, j'irai vous la reporter. Puis si vous voulez m'en donner une en braille, ben, je n'aurai une. Ben, c'est tout ça qui est arrivé. Mais ça, c'est un fait cocasse pour te dire que j'ai été un numéro parmi tant d'autres, là. Ben, traité comme les autres aussi. Ben oui. Mm-hmm. Oui, oui. Je l'ai eu, ma montre en braille, c'est sûr. Pas vrai, oui? Oui, oui, je l'ai eu, ben oui.
J'y ai donné ma montre le lendemain matin. Et puis... Ah, ils t'en ont procuré une en vrai? Oui, oui. OK. Oui, oui. Ils ne savaient pas le chemin. Je lui ai dit comment procéder. J'ai eu ma montre en vrai. Ouais. Fait, c'est pour te dire que c'est... le service d'appel, ils ne savaient pas ça. Wow. Mais tu disais tantôt aussi donner aux autres. Mais moi, c'est sûr qu'il me manque des bouts dans ta vie, Jocelyne. C'est clair et net. Mais je sais quand même, puis ça, je le dis toujours dans chaque émission, je dis où est-ce qu'on s'est connus. Et on s'est connus sur le conseil d'administration du RAC. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Donc, toi, tu as fait partie de plusieurs associations de non-voyants ou le RAC, ça a été une... Pas beaucoup. OK. Je comprends les bénévoles aujourd'hui puis les membres qui ne s'impliquent pas nécessairement sur un conseil d'administration parce que, en fin de compte, tout le temps de ma carrière que j'étais travailleuse sociale et puis que j'ai eu une vie de famille, bien, m'a dit, tu n'as pas beaucoup de temps pour t'impliquer dans les associations. Alors, en fin de compte, j'ai siégé sur le conseil d'administration de Lucie Bruneau, à un moment donné, via mon employeur, fait que mon employeur me donnait du temps pour participer au conseil d'administration de Lucie Bruneau. J'ai fait ça un certain nombre d'années, là, quelques années. Au RAC, je l'ai fait quelques années aussi, siéger sur leur conseil d'administration. Puis je pense qu'au RAM, je faisais partie du groupe fondateur. Ça, c'est dans les années 75, je pense. Je ne me rappelle plus l'année du RAM qui est venu au monde, mais je pense que j'ai fait partie des premières équipes. OK. Alors, je pourrais te dire que j'ai pas vraiment... été active, mettons, comme je le fais actuellement pour la SAM. C'est ça, mais ça t'a mené à la SAM. Oui. Et là, ça va nous mener à la pause. Puis après la pause, on parle de la SAM. Si tu es d'accord, mais je pense bien que tu vas l'être. J'ai pas de problème avec ça. Parfait. Donc, on fait une petite pause de rien du tout, puis on revient avec notre invitée qui est Mme Jocelyne Richard. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur l'émission. Vous pouvez contacter notre site internet à l'adresse www.martinchouinard.com et vous aurez aussi accès à toutes nos émissions depuis le début, c'est-à-dire depuis le 3 mars. Cette semaine, j'ai décidé de mettre de côté un petit peu les activités extérieures et vous proposer une activité intérieure pour ceux qui préfèrent ça ou pour les journées de pluie. Vous savez peut-être, certains d'entre vous, que j'aime beaucoup lire, donc j'ai le goût de vous faire une suggestion de lecture et c'est une trilogie d'une auteure qui s'appelle Marilène Pion. Marilène Pion nous a offert une série qui s'appelait Flora, une jeune fille parmi les patriotes. Elle nous a aussi offert une autre série qui s'appelait Les infirmières de Notre-Dame, que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Mais la saga que je vous propose maintenant, j'ai beaucoup apprécié aussi, ça s'appelle Les secrétaires, tout simplement. Et ça se déroule à l'ouverture de la place Ville-Marie dans une banque. Ça tourne autour d'une banque. Et c'est en trois tomes, comme je vous le disais. Il y a le premier tome qui s'appelle justement Place Ville-Marie, le deuxième tome qui s'appelle Rue Workman et le troisième tome qui s'appelle Station Bonaventure. Donc un lien avec le métro qui, justement, faisait son apparition. Donc, si vous êtes intéressé à lire cette saga, ça se lit très bien. C'est quand même assez léger, mais c'est très divertissant, très instructif à la fois. Marilène Pion, P-I-O-N, c'est disponible au Service québécois du livre adapté. On passe maintenant à la description de l'émission numéro 18, qui sera notre dernière émission avant les vacances et une entrevue fort sympathique que j'ai réalisée avec notre quatrième invité qui n'a pas de problème de vision, que peut-être certains connaissent, mais je pense que plusieurs ne le connaissent pas encore
et honnêtement, vaut la peine d'être connu. Il s'appelle Godefroy Bordua. C'est un bénévole du Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Godefroy est étudiant en physique et je lui ai posé lors de l'entrevue la question à savoir, quand il était jeune, s'il posait beaucoup de questions existentielles. Voici sa réponse. Je me rappelle une fois, ma grand-mère me le dit souvent, c'est qu'à une époque, j'avais probablement vu à la télé des enfants du tiers-monde qui n'avaient pas d'eau. Puis j'ai dit à grand-mère, « Grand-mère, faut que je trouve une manière de fabriquer de l'eau pour les enfants en Afrique. » C'est cute. Puis ma grand-mère, sa réponse intelligente a été, « Ben, ouvre le robinet, mets-la dans une chaudière, puis envoie-la. » J'ai quand même fini au bac en physique. C'est incroyable. C'est comique, mais j'adore ma grand-mère. Donc, pour l'intégralité de l'entrevue de Godefroy Bordua, notre émission 18, qui, je vous le rappelle, sera notre dernière émission avant les vacances d'été, eh bien, je vous convie vendredi 30 juin sur nos différentes plateformes, le site Internet, ainsi que les liens sur la page Facebook. En attendant, de retour avec notre invité de cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invité d'aujourd'hui qui est Mme Jocelyne Richard. Et avant la pause, on a dit qu'on parlerait de la SAM parce que la SAM est arrivée dans ta vie et je pense pas me tromper en disant que ça prend une grosse place aussi dans ta vie. Je dirais maintenant. Enfin, j'ai déjà été, comme tout le monde, un membre qui profite des activités parce que je suis devenue membre en 2004. À ce moment-là, je me disais, moi, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Moi, je fais juste travailler. C'était planifier l'après. Oui. Alors, j'ai commencé à faire un peu de sport en 2005, mais je n'étais pas une adepte assidue, là, mais je venais régulièrement là, aux activités. Puis, en 2011, ils m'ont demandé d'être secrétaire au CA. J'ai été secrétaire pendant 2 ans. Et puis, là, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Okay. Et puis, après ça, c'est là qu'à un moment donné, il y a eu, comme tout organisme, une petite crisette. Mais nous autres, c'est plus qu'une crisette. C'est pas mal une grosse crise. Une petite crise, hein? Oui, c'est comme ça arrive dans les associations quand c'est même. C'est ça, c'est pas... Faut pas dramatiser. Ça arrive, là, ouais. Ça. Dans les meilleures familles. C'est ça. Alors, à ce moment-là, j'étais à ma retraite, puis mettons que la crise à gérer était grosse. Une chance qu'on savait pas tout, mais j'étais consciente que c'était une grosse crise. Quand même quelque chose d'important. Oui. Ça allait plus, là. Alors, avec une équipe, je dirais quand même une bonne équipe de travail. Je calcule qu'on a toujours une bonne équipe de travail. Ça prend, dans une crise, ça prend du soutien, ça prend du renforcement, ça prend de la solidarité, de la confiance. Faut que la confiance règne. Donc, avec ça, je pense qu'on a relevé un défi parce qu'à ce moment-là, la SAM s'en allait sur un déclin. Les membres, ils étaient beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de participation. Les gens venaient plus, le nombre de membres inscrits à chaque année baissait. Puis même moi, quand j'ai pris la SAM en main, mon Dieu, il venait pas grand monde aux activités, là. Il fallait redresser ça. Il fallait redresser la confiance, reconquérir les membres, planifier les activités, les présenter, inviter les gens à s'inscrire aux activités. Je te dirais que ça a pris une bonne année. Un gros défi. Ah oui, c'était plus gros qu'on pensait. C'est un peu comme aller à l'école et aller à l'université quand tu ne vois pas. Je pense que le défi était aussi gros. OK. Oui, c'est ça. C'était vraiment... Oui, c'est ça. Ça, on parle de quoi? 2013, ça? 2013-2014. Ouais. Là, on est en 2017. Ouais. La SAM a refleuri, on peut dire ça. Ouais, oui. Là, toi, t'es présidente depuis 3 ans. Oui. Là, l'Assemblée générale, c'est mardi prochain, le 27. Oui. Et là, bon, il va y avoir sûrement des places sur le conseil d'administration. Oui, il y a un poste vacant particulièrement. Il y a 2 postes vacants, là, je dirais, là, parce que, bon, moi, si les gens, si l'Assemblée générale désire... que je renouvelle mon mandat, je suis prête à offrir encore une autre année. T'es intéressée? Oui. Il y a Jocelyne Durand qui, elle aussi, accepte de renouveler son mandat. Là où il y a des postes vacants, évidemment, c'est le directeur sportif et le poste de secrétariat.
D'accord. Le secrétariat, c'est toujours... compliqué. Compliqué de trouver quelqu'un. Alors, c'est un peu ça. Puis, on est 7 sur le conseil d'administration, fait qu'il y a 3 postes cooptés par la suite. Donc, il y a de la place sur le conseil d'administration pour des gens qui voudraient s'impliquer. Évidemment, il y a toujours de la place pour les membres. Oui. Il y a toujours de la place pour des suggestions d'activités, des suggestions de trajets. De... Oui. Parce que, bon, il y a le vélo tandem. Oui. Il y a les marches, les randonnées pédestres. Oui, puis il y a les marches urbaines. Les groupes de marches qui fonctionnent, je pense, pas mal toute l'année. Ou... oui, mm-hmm. Oui. Les groupes de marches, on appelle ça les marches urbaines. Eux autres, ils fonctionnent 12 mois par année. C'est des groupes autonomes, c'est-à-dire qu'il y a un responsable de chaque marche. Et puis, la responsable, elle s'occupe de sa liste de membres puis de sa liste de bénévoles. Je n'ai pas à gérer ça. Les autres, ils envoient au bureau pour fin de statistique à chaque semaine qui le était à la marche puis qui était bénévole. Mais tu dis que tu n'as pas à gérer ça, mais tu t'occupes quand même toi-même d'un groupe de marche. Oui, moi, je m'occupe de celui de Montréal. De Montréal-Nord. Oui, c'est ça. J'ai mon groupe de marche le mardi après-midi au parc de la Visitation. Oui. Je pense, Jocelyne, que les gens qui ont envie de dire « je veux aller à la SAM faire des activités sportives, faire un petit peu d'exercice », il y a plein d'activités. On le disait avant de commencer l'entrevue, vous sortez un bulletin à toutes les semaines, donc les membres sont toujours au courant de ce qui se passe. Il y a de la place pour tout le monde, les gens sont accueillants, il y a des bénévoles pour aider. Je pense que c'est vraiment pas un problème. C'est des belles activités, des bons groupes, tout ça. Je pense que les gens, ça peut leur donner bien envie de se joindre. Je dis à nous parce que je suis membre. Et je pense que tu nous as donné l'envie à tous. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. D'abord, la SAM, ça a déjà été peut-être un volet un peu compétitif, mais les gens veulent avoir du loisir, ils veulent s'amuser. C'est ça. Ils veulent faire du tandem, c'est pas une course qu'ils veulent. Ils veulent faire du tandem pour le plaisir d'avoir du plaisir. Aujourd'hui, on fait une randonnée de vélo. C'est ça. Puis on se casse pas la tête, si ça prend 2h15 au lieu de 2h, ça prendra 2h15 au lieu de 2h, puis c'est tout. C'est ça. Puis c'est la même chose pour les randonnées pédestres. C'est pas l'idée de faire le marathon. Ils veulent pas faire ça. Ils veulent faire des randonnées pédestres. Quand on les annonce dans le journal, on leur dit si c'est des difficultés primaires, secondaires ou importantes. Là, t'sais. C'est la même chose pour le vélo. Ils savent combien que de kilométrage qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il y a toujours au moins 8 vélos qui sortent à chaque semaine. Puis il y a du monde qui sont tellement, ils veulent tellement faire du vélo qu'ils s'inscrivent les 2 jours de suite, le vendredi et le samedi. Cet été, on va engager un étudiant. D'ailleurs, après-midi, on a procédé à son embauche. Je veux permettre à des personnes qui n'en font pas beaucoup de tandem, même si c'est juste 15-20 km, je veux permettre à ces personnes-là de découvrir le plaisir de faire du tandem. Fait qu'on va organiser des petits circuits pour des personnes qui, pour eux autres, sont pas capables d'en faire plus que 20. Mais qui veulent quand même en faire. Oui. On va entreposer des vélos à Longueuil. On a trouvé quelqu'un qui acceptait d'entreposer des tandems chez lui. Et puis, on va s'organiser pour que des personnes de Longueuil puissent en faire, même si c'est juste 20 km. Moi, je me dis, c'est important l'activité physique. C'est important d'être en santé. C'est important d'être en plein air. Bien, il y a un commencement à tout. Quand je suis arrivée à la SAM en 2004, je n'aurais pas été capable de faire 75 km dans une journée, voyons donc. Alors, je me dis, si c'était bon pour moi, c'est bon pour les autres. Alors, pour moi, je me dis, quelqu'un qui me dit, je veux faire du tandem, ou je veux faire de la randonnée, ou je veux faire de l'aquaspinning, bien, garde, il y a un début à tout, puis ne t'inquiète pas, on monte une marche à la fois. C'est comme ça que je vois ça. Bien, sur cette note positive, je pense que je vais te laisser aller, parce que je pense que c'est une grosse journée quand même pour toi aujourd'hui. Puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté quand même de te prêter au jeu de mon entrevue.
Puis je suis pas mal sûr que ça peut avoir des répercussions très positives pour les gens. Des fois que ça leur prend un petit, peut-être un petit coup de pied, un petit coup de pouce là, pour rester poli, pour se lancer, puis sortir, puis faire un petit peu d'exercice physique. Bien, merci beaucoup, Martin. J'ai pris plaisir à cette entrevue. Bien, moi aussi. Puis, je vous invite aux gens à la maison de continuer à m'écrire pour me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de trouver les coordonnées de la SAM et de vous inscrire à leurs nombreuses activités. Bien, merci beaucoup. Merci et à la prochaine.